Je sais combien ça peut être difficile de passer de la vie d'adolescent à adulte, même s'il y a beaucoup de belles promesses puis d'indépendance, il y a toujours des défis aussi. On m'a jumelée avec Hermite Dominique, puis je pourrais dire avec toute humilité là, que ça a été vraiment le match parfait. On avait beaucoup de complicité dès le début. On s'est rencontrés de différentes façons, mais ce qu'on a privilégié, c'était surtout des déjeuners-rencontres qui s'éternisait presque au dîner, là. Puis ça s'est arrêté un petit peu avec la pandémie. Ça va être quelque chose de se revoir après tant de temps. On a beau avoir des bonnes communications régulières, c'est pas la même chose quand on a un contact visuel puis qu'on est, on est tout près une de l'autre. Je me sens excitée. Ça fait quelques mois qu'on s'est pas vus. Puis surtout avec la pandémie, ça fait à peu près un an qu'on s'est pas rencontrés, qu'on s'est pas assis pour prendre un petit café. Fait que j'ai bien hâte de la voir. Le projet CLÉ, c'est un projet qui est né en Montérégie. Il est à Laval depuis environ 3 ans. C'est un projet qui supporte financièrement, sous forme de bourse, et psychologiquement, un support psychologique sous forme de mentorat. Ça s'adresse aux jeunes qui ont reçu des services des centres jeunesse de Laval. Donc, à l'aide de la bourse et du mentorat du projet CLÉ, ils peuvent poursuivre leurs études puis avoir un diplôme pour aller sur le marché du travail. Le mentor, c'est une personne de la communauté qui sont bénévoles, ils ont envie de donner de leur temps à une cause. On leur demande d'être présents auprès d'un jeune du début à la fin de leur diplomation pour les encourager, les supporter, les conseiller, les référer si jamais ils ont des situations où ils ont besoin d'aide. Je me rappelle au début du projet CLÉ, je te parlais beaucoup de comment j'avais un peu de misère à voir comment gérer mon budget. Puis tu étais vraiment venue en aide, tu m'avais comme donné la petite feuille. Je sais pas si vous vous rappelez la petite feuille pour comme tout écrire les dépenses. Oui, oui. Qu'on a... Ouais. Fait que ça m'a vraiment beaucoup aidée à être plus responsable financièrement. Ça a été quelque chose de vraiment marquant. Je l'utilise encore aujourd'hui, cette feuille-là. Ah, ouais. Très bien. On prend le soin aussi de bien connaître les personnes, autant les mentors que les étudiants, pour essayer de faire un jumelage qui va être un bon match. Je suis tellement contente d'être jumelée avec toi puis de te connaître parce que dès le début, j'ai remarqué tes belles qualités. Puis, tu sais, j'apprécie ton énergie, tes ambitions, ta franchise, l'écoute aussi. Je trouve que dans le métier où tu te diriges, tu as vraiment les qualités pour réussir. Bien, de mon côté, je trouve qu'on est deux personnes très empathiques, on aime beaucoup aider les gens. Puis je trouve qu'on est deux femmes fortes aussi, là, tu sais, qu'on se relève dans notre vie quand il y a des situations difficiles. On est très résilientes, on aime beaucoup notre famille aussi. Oui, c'est des valeurs qu'on a vraiment en commun. Le projet CLÉ, ça amène quelque chose de beau pour répondre aux besoins des jeunes dont on a la responsabilité. Souvent, ces jeunes-là, à 18 ans, ils se retrouvaient seuls à avoir à assurer leur avenir. Puis il y avait des étudiants qui ont des ambitions, des projets d'avenir scolaire qu'ils laissaient de côté. Avec le projet CLÉ, dans le fond, ils peuvent se permettre de se concentrer sur leurs études pour bien réussir puis obtenir un diplôme qui va les amener sur le marché du travail. En fait, je vise à terminer mon bac. Là, je vais embarquer dans ma deuxième année en septembre prochain. J'ai bien hâte de commencer une profession plus dans les sciences humaines, sciences sociales. Tu sais, ça m'apporte beaucoup de faire ton mentorat parce que ça me permet de continuer dans ma passion d'aider les jeunes. Puis c'est quelque chose qu'on a le goût de parler aux jeunes qui nous entourent aussi, là, qu'il y a des jeunes qui font vraiment des belles réalisations puis qui sont capables de ressortir plus fort de tout ce qu'ils ont eu comme parcours dans leur vie, puis qu'ils réussissent ça là, d'eux-mêmes. Là. J'espère quand même rester en contact. Là, oui, bien moi aussi. Encore beaucoup de sagesse à donner, beaucoup de conseils. C'est sûr qu'on va garder contact parce qu'on ne peut pas couper ça comme ça. Je m'appelle Bill, je suis âgé de 21 ans et je suis actuellement en ma dernière session au collégial.
Et à l'automne prochain, je m'en vais à l'Université de Montréal en criminologie. Grâce au projet CLÉ, ce projet m'a permis de pouvoir continuer mes études. Ça m'a donné une nouvelle chance que je n'avais pas nécessairement auparavant. Merci de vous impliquer dans le projet CLÉ, pouvoir permettre à plusieurs jeunes de pouvoir réaliser leurs rêves comme moi je l'ai fait.